bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Je voulais pas vous embêter. Salut, je m'appelle Gavroche. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je me suis lancé donc dans l'écriture de la chanson parce que j'avais fait des études de lettres et j'adorais en fait les tournures poétiques de la langue française. Je fais ce métier-là pour aller libre, à la scène comme à la vie. C'est comme un parfum en fait la musique. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas et tout. Donc ce qui me fait d'abord, c'est la composition. Tu crées, tu as ton groupe, tu viens avec la chanson qu'ils ne connaissent pas, tu leur fais et puis tu vois qu'en fait directement ils commencent à... Il commence à jouer. On écoute peut-être les mêmes musiques, avec mes musiciens et tout, mais on a en fait un retour qui est différent. Et là, quand tu es en concert, tu as des centaines, des milliers de personnes qui t'aiment. Il faut que tu accroches dès le départ. Et là, tu as les gens qui arrivent, qui applaudissent, et il y a de l'amour. Et je pense que dans le monde où on vit et tout, je crois que l'amour, ça devrait être obligatoire. C'est bien, ça devrait être obligatoire la musique. C'est un plaisir, c'est comme respirer. Après, les types de concerts que je fais, ben, ça varie selon les propositions qu'on me fait. Donc, ça peut être des salles de 100 personnes, comme festival de 20 000 personnes. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est la rencontre avec Manu Chao. Il y a un gars qui m'a appelé, qui m'a dit « Est-ce que tu veux faire la première partie de Manu Chao ?» Ah, je lui dis ben, « Bien sûr hein. !» Il m'a dit « En revanche, il faut que tu lui envoies des vidéos. » Donc, j'ai envoyé les vidéos que je postais sur Facebook. Et puis 2 heures après, il a renvoyé un message en disant bah, « Écoute, ouais, moi je le veux bien. » Eh bien, un gars comme Manu Chao, il est comme ça. Il joue tout le temps. Il joue, il est sur scène, il se donne à fond, il joue tout le temps. Et il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. On revient toujours à la scène comme à la vie, il ne fait pas semblant. On joue de la guitare ensemble, on chante ensemble. Et il est normal. Et ça, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites. Sinon, s'il y a des valeurs qui me poussent, c'est 3 mots. C'est paix, amour et connaissance. Merci les révoltés.